Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Tranquille et tranquille. Donc aujourd'hui, je voulais faire un bon smoothie. Alors, smoothie ou jus, hein, faites comme vous voulez, hein, on fait ce qu'on veut. Voilà, deux papayes et grenadine. Franchement, c'est un beau mariage. Ils vont très bien ensemble. Ils se marient très 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 bien ensemble. Il n'y a besoin de rien rajouter, mais alors rien du tout. Donc voilà, bon, la papaye, c'est vrai que c'est cher, mais bon, moi j'ai acheté un 1,49 €. C'était une toute grosse papaye au Aldi de l'Allemagne. C'était quand il y avait en fait un nouvel an, et puis ils ont liquidé tous les fruits, et c'est dommage que j'ai pas pensé à prendre plusieurs, parce que bon, ça me semblait un peu louche. 1,49 €, une grosse papaye, j'ai dit, oh, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais elle n'avait rien, c'est juste qu'il voulait liquider les fruits, puis bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc bien sûr, pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, soyez les bienvenus, cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker, de partager et de commenter si l'envie vous en dit. Donc, comme je vous ai dit, une grosse papaye et deux grenadines acides. Voilà, je les ai pressées au presse-agrumes. Ça le fait, donc voilà. Après, bien sûr, quand vous avez fait, vous insistez en fait avec une cuillère pour faire descendre tout le jus qui reste. Voilà. Donc là, je continue. Voilà, je presse, je presse. Sachant que la papaye ici en France, 5 euros, enfin, je crois que c'est le kilo ou c'est la papaye en plus, elle ressort petite. Hein, donc, bon, après, c'est des coups de chance. Hein, quand on tombe dessus, on tombe dessus. Hein. C'est comme ça, mon pauvre Lissette. Hein. Donc, voilà. Là, c'est bon. Je récupère le jus et puis je rajoute à la papaye. Voilà. Après, si maintenant vous voulez que ce soit bien, bien épais, mettez moins de jus. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez je veux dire, vous mettez le jus de grenadine jusqu'à ce que vous ayez la consistance que vous voulez, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est bon. Donc je pense qu'elle a fini là. Non, c'est pas encore fini. Elle venait juste de commencer, donc pas grave. Donc je vous ai dit, hein, pour ceux qui ont vraiment sont fainéants, ceux qui sont vraiment qui ont besoin d'un bon coup de punch. C'est le bon remède, hein. Donc voilà, et tout est naturel, bio, Allah, j'ai pas fait pousser les fruits, mais je veux dire, tout est naturel, donc il n'y a rien, il n'y a pas de sucre à ajouter, rien du tout. Ce sont que voilà, les deux fruits là que vous voyez qui se marient très bien, et franchement, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, et j'ai oublié, vous savez, les petites graines là de la papaye. Parce que j'ai regardé, je me suis documenté sur internet. Ce qui paraît, c'est bien pour l'immunité, mais faut pas trop en abuser, parce que j'ai testé, j'en ai pris 5. Voilà, ça a un coup de c'est poivré comme ça, mais à ce qui paraît, il faut se renseigner avant de les prendre, quoi. Donc, mais ils sont très bien pour le tube digestif, enfin le corps, quoi, pour la santé, quoi. Donc voilà, au cas où, moi je les ai mis dans le frigo. J'attends de voir si je peux les utiliser autrement au lieu de gaspiller, ça serait dommage. Donc voilà. Donc voilà les amis, je vous ai dit, alors je vous disais que là, celui de gauche, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure, et celui de droite, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de lait, et ça donne une belle couleur rose comme ça, et c'est moins acide. Je veux dire, l'acidité, on casse l'acidité avec le lait. Maintenant, moi je dis que c'est très bien comme ça, donc c'est pas la peine c'est dommage. Et puis voilà les amis, bah, j'ai été ravi de vous présenter ce smoothie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Avec Chiwet Zimladi, partagez-la.